un baobab, une fleur de lys, une croix et les couleurs de la nation. C'est l'insigne des scouts du Sénégal. Présent depuis 1928, le scoutisme a fait beaucoup d'hommes ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Un mouvement aux troupes de la triade, avec des chants promesses qui louent Dieu, éclairent la vision d'autrui sur une route qui mène envers soi-même. Depuis Alphonse Sène, commissaire national en 1960, jusqu'à l'arrivée de Paul Mathias Gomis, commissaire général depuis 2019, en cette année 2022, si un tel flambeau a toujours guidé beaucoup de générations, pourquoi pas moi? Le feu qui éclairait le camp des scouts ne doit pas s'éteindre en moi. Malgré les péripéties de la vie, des responsabilités ailleurs, je prouverai toujours à Robert Baden-Powell mon engagement et le sens de ma promesse. Scout un jour, scout toujours. Le scoutisme est un mouvement éducatif sur les jeunes, fondé sur le volontariat. C'est un mouvement à caractère non politique, ouvert à tous sans distinction d'origine ni de croyance. Conformément aux buts, principes et méthodes tels qu'ils ont été conçus par le fondateur, le but du scoutisme est de contribuer au développement des jeunes en les aidant à réaliser pleinement leurs possibilités physiques, intellectuelle, sociale et spirituelle en tant que personne, citoyen et membre des communautés locales, nationales et internationales. Le scoutisme est fondé sur trois principes de base qui constituent ses lois et croyances fondamentales et qui sont le devoir envers Dieu, le devoir envers autrui, le devoir envers soi-même. La méthode scout est un système d'auto-éducation progressive, fondé sur une promesse et une loi, une éducation par l'action, une vie en petit groupe, la patrouille, comprenant avec l'aide d'adultes qui les conseillent. La patrouille est la structure organisationnelle de base dans le scoutisme. Chaque petit groupe, comprenant normalement 6 à 8 membres, fonctionne comme une équipe avec l'un des membres opérant comme leader. Au sein de chaque équipe et d'une manière adaptée à leurs capacités, les scouts organisent leur vie de groupe, partagent les responsabilités et prennent des décisions. Ils préparent et réalisent leurs activités avec le soutien des adultes.
progression personnelle vise à aider chaque individu à s'impliquer de manière consciente et active dans son propre développement. Elle permet à chacun de progresser à sa façon et à son propre rythme, d'acquérir plus de confiance en soi et de reconnaître les progrès réalisés. Le schéma de progression personnelle, série d'objectifs pour chaque tranche d'âge, est le principal outil utilisé pour soutenir cet élément de la méthode Scout. La promesse Scout sur mon honneur. Je promets de faire tout mon possible pour servir Dieu et mon pays. Aider mon prochain à tout moment. Obéir à la loi Scout. Le Scout n'a qu'une parole. Le Scout est loyal. Le Scout se rend utile et aide son prochain. Le Scout est un ami pour tous et un frère pour tous les autres Scouts. Le Scout est courtois. Le Scout est bon pour les animaux. Le Scout obéit sans discussion à ses parents, à son chef de patrouille et à son chef. Le Scout sourit et siffle en toute difficulté. Le Scout est économe. Le Scout est propre dans ses pensées, ses paroles et ses actes.